Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, nom de Zeus! Ah oui, je connais rien de meilleur qu'une bonne virée, et puis entre copains, on casse, on brise, on explose des os. Et puis tout autour, il y a ces petits trucs là, ces coffres qu'on peut récupérer. Et puis toutes les affaires qu'il y a dedans, et on peut devenir encore plus fort pour. Tiens, je sais pas. Ah oui, taper, casser, tuer, piller encore plus. Oui, le concept du hack and slash commence à être un peu éprouvé depuis le temps. Ceci dit, ça a été une merveilleuse invention puisque ça réunit dans le même jeu des fouloirs et puis passion crafting pour arriver à avancer quand on n'est pas très très bon vis-à-vis de cette stratégie d'attaque ou de ses réflexes. Et c'est là donc aujourd'hui on va repartir avec ce nouveau titre qu'on va découvrir ensemble qui s'appelle Wolfson. Wolfson, seigneur du bordel même il me semble. Ou un truc assimilé. Enfin, c'est pas très très clair ce qu'il gère. Hein. Donc ça doit être un peu chaotique. On file dedans pour voir de quoi il en retourne. Je connais pas plus le jeu que vous et on va le découvrir ensemble. If you cannot defeat me, how do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Again? Do you not feel pain? I feel it all right. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. Orphans carry the burden of pain with them, always. Finding a new family only alleviates it. Look at you now. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. My children. With all due respect, what are we doing here? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps 2 weeks ago, and we still haven't moved against them. Our way commands that we retaliate. Sister, our way? Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. They're sending the Purifiers to march on the Brotherhood of Dawn. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion. I'll lead it myself. Ticks, Malis. We need to get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children. Silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Siege ladder, down! On me! Told you Hemlock would send us. Yeah, I'm not betting with you again. Focus!
Alors ça fait plaisir de retourner dans un hack and slash, parce que ça fait partie des jeux qu'il est très très compliqué de développer à chaque fois. Bah, notamment parce que déjà il y a un arbre mathématique à la base qui est extrêmement compliqué, vu toutes les compétences qui rentrent en jeu et les évolutions possibles des persos. Et puis que derrière, bah, ça engage aussi pas mal de ressources, y compris les ressources graphiques, musicales, etc. Donc je crois qu'il a fallu plus de 5 ans pour que Wolfenstein aboutisse. Et du coup, ben, je sais pas si c'est un très très bon jeu, mais ça fait plaisir. Welcome, bienvenue dans la scène, bonhomme. Et on espère que tu vas nous en mettre plein la vue. I want those ledges clean. One each, let's go. Time to shine. Forward. Purity in sacrifice. Alors, j'ai un dash, ça doit être important quand même, parce que, eh oui, moi j'ai pris un bourrin, donc je vais vouloir aller à la tatane, mais si je veux m'en sortir à la tatane, va falloir que j'apprenne à éviter, c'est essentiel, sinon je vais faire que prendre des coups et recommencer très fréquemment la même chose, je crois. Alors, bah, les esquives, c'est avec espace, et donc, j'ai un petit bout de pseudo-sort, avec le bouton droit, d'accord, on y go. On va voir quel goût ça a. Alors, est-ce que je peux bouger ma caméra? Non, pas trop. Ah, il y a même un coup apparemment, dès qu'on fait une roulade et qu'on reprend derrière direct, on peut faire un combo. Une sorte de... Alors pour l'instant je suis bien équipé, il tape pas fort, ça se passe bien. Burn, burn, tu es witch. Mais non, regarde, je flotte. Quelle andouille. Alors comme d'hab, le petit topo technique, hein. Je suis sur une machine assez ancienne. We'll lose a lot of men if the cliff collapses. Right now I'm more worried about these bloody souls being puked out of the earth. Right, let's keep it together. We move as one and do what we do best. Alors donc oui, je disais, je suis sur une machine assez ancienne, donc je vous ai fait les réglages en full HD. Avec des réglages plutôt élevés, on va dire. Il n'y a pas tout à fond, il manque des effets, des petits trucs, il y a des textures qui sont pas poussées à donf non plus. Mais disons que le rendu est vraiment plus que correct. Et vous avez le stream en 720p, 30 images secondes si je ne m'abuse. Donc voilà, ça c'est la partie technique. Petit rappel aussi, le studio c'est pas Blizzard, hein. Donc ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc arriver à sortir ça, pour l'instant, je vois pas de choses méchantes à dire. À part que je n'ai toujours pas looté le moindre truc. Et si on est bien dans un hack and slash, bah, là, il faudrait me laisser looter un peu, les gars. Parce que c'est pas comme ça que mon équipement va s'améliorer. Ouh, ça a mis un fourfond. Un fourfond quoi? Tom. Attention là. It's a trap. Quoi? Sulfur. A demon. We can't handle it. We need to get back to the purifiers now. Ah ouais. Mais Eldric, ne serais-tu pas un petit peu peureux? Ah, il y a mes jauges en bas que j'ai toujours pas saisies normalement. Alors, je vais peut-être m'essayer un petit clic droit, j'ai pas encore utilisé. Alors, il me semble que le principe du jeu. Bon, on va voir rapidement si je dis une connerie ou pas. Hein.
compris, je peux commencer à saisir. Je me mets mes raccourcis en tête. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mon aide. What the hell happened here? He's one of us. A scout. Hey, soldier, you all right? Where's the rest of your squad? Soldier? Alone. Who's alone? He's in shock. Leave him be. Shut up. Who's alone? Shut up! We don't have time for this. Let's move! Darling, you're gonna owe me big time. I praise your resilience, mortal. You will make a fine host. Val, it's now or never. Now, come to me. Come to me and be reborn in service of the Sleeper. Purifiers only serve mankind, demon. I do not request. I command. Purity and sacrifice! Apparemment, il a de la ressource, le pépère, là. Il va me faire galérer, je crois. Oui, ça pique. I can't. He's too strong. Val, I need you now. Qui a un miroir de poche? Oui, je sais pas. C'est un peu inspiré, ça, quand même. Je l'adore, j'y cours. Ça va être bon. What the hell's happening to you? Attends, on va faire ça le vite. Ah, y a un petit défaut que je pourrais déjà donner. Hein. Je vais essayer de m'en sortir avec mon pote. Hein. Ah, ça dure pas éternellement ce super pouvoir, quel dommage. Je me sens tout petit, je me sens tout petit. On le mérite pas. Des reproches, il y avait un petit truc que j'ai cru remarquer, c'est qu'il y a une petite raideur quand même par rapport à un hack and slash courant. J'entends par raideur, c'est chaque fois que vous cliquez, il y a un léger délai, je trouve, avec les commandes. Et c'est sûrement dû à mes réglages, hein. On va pas accuser le jeu gratuitement. Donc c'est fort probable que j'ai peut-être réglé un peu mes réglages haut. Mais sorti de ça,
Ça fait toujours super plaisir de retourner dans un hack and slash, bordel. Et j'ai toujours rien looté, quoi. Je suis pas mort. Faut pas me manger, monsieur. Non, pas maintenant. Donc il y a une histoire avec voilà. How is it that I can use witchcraft now? None of this makes sense. Ok, Dagdog, on va s'inquiéter un petit peu de cette interface, hein, ce serait temps. Donc j'ai d'un côté la santé et de l'autre le désir, le pouvoir, le willpower. J'ai pas le mot traduit, merde. Donc vous avez bien compris. Donc c'est la volonté. Ah, ça y est. C'est un peu long des fois. La volonté qui remplace donc la mana et qui apparemment fonctionne un petit peu différemment parce qu'elle va déclencher d'autres actions qui sont moins standards et qui sont généralement, de ce que j'ai compris, dédiées à réduire la puissance de l'adversaire un peu trop coriace. Enfin ça, ça doit dépendre aussi de la classe du personnage. D'accord ? Donc là, là j'ai de quoi m'énerver. Et là, j'ai de quoi m'énerver aussi. Ce qui est plutôt pas mal dans ma situation de corps à corps. Ok, Dak. Il y a intérêt à bien mémoriser les raccourcis. Donc, gauche, droite, bim, boum. Et ici. Bah, on a l'inventaire classique. D'ailleurs, on va aller jeter un œil dans l'inventaire si c'est possible. Je peux faire des portails. Je peux afficher mes skills. Oulala, on va commencer à s'égarer. Est-ce qu'on le fait maintenant? Et là, j'entends la clameur du public. Oui, on veut tout voir, on veut tous les tableaux, on veut voir l'arbre de développement. Vous êtes sûr? Ok, alors je découvre en même temps que vous, donc je vais pas pouvoir vous expliquer vraiment. D'accord, donc ça, c'est mes différents skills, et je peux les customiser dans ma barre de raccourci à volonté tranquille, peinard. Ok, Doc Doc. Bon, de toute façon, on peut le réassigner dans les options s'il y a besoin. Et on va jeter un œil déjà à l'inventaire, histoire de voir ce qui nous attend. Ok, c'est que du classique. Hein. Donc, nombre de cases de stockage, équipement actif, la totale, des bagouses, des trucs plus ou moins enchantés. Ça dépendra du manège que vous fréquentez. Oh, oh, oh. Voilà, character sheet. Donc ça, c'est ma grille de perso de base. On a 10 points à attribuer à chaque niveau gratté. Et on peut en distribuer 3 d'un coup sur une qualité donnée. J'aime bien. Ouh, des détails. Tu voulais des détails? Mange. Donc je reviens à ce que je vous disais, pourquoi les hack and slash, il n'en sort pas toutes les semaines. Enlever le décor, enlever la musique, enlever l'ambiance, enlever l'histoire, enlever le scénario, il vous reste un arbre mathématique assez monstrueux, et qui doit être fait assez subtilement pour maintenir la passion et l'équilibre du combat pendant toute la quête du joueur. Et ça, je vous garantis que c'est vraiment pas simple à développer. Ok, on va avancer un peu. Skills, I use skill, right click skill. Not enough rage, ok. Bon, ça c'est du menu frottin. Et encore, c'est du frottin haché, quand même pas menu. Je me demande si j'aurais pas préféré une arme à distance, moi, du coup, maintenant. What a fell? Did she drown? Valeria? Val! Oui, alors, principe du hack and slash, vieux comme le monde, hack and slash. Donc, bien entendu qu'on a envie de casser tout le décor. Qu'est-ce que vous croyez? Je vais pas me retenir. Barrez-vous, bande 2. Oui, cul sans main, c'est mon expression favorite qui vient de Lobo. Alors, si vous aimez les comics et si vous aimez vous foutre de la gueule des super-héros et compagnie, je vous recommande Lobo. Alors c'est plus limité.
Mais c'est un truc génial. C'est le anti-héros de base. C'est le mec, il est super fort, mais... J'ai pas le temps de lire. Ok, mais je l'ai dans mon inventaire, donc c'est ce qui compte. Oh, ça c'était beau. Alors comment ça marche, tiens, analysons. Rage et volonté. Il va falloir que je me penche là-dessus plus sérieusement. Parce que doit y avoir un timing à acquérir. Là, ça va bien, on n'est pas dans des meutes de bestioles qui nous agressent. Et j'imagine que quand je serai dans une autre situation qui se rapproche de celle-là, justement, il va y avoir un blême. Salut les filles. Elle est par là, la discothèque. Bon, je cherche. Je suis nouveau dans le coin. Oui, j'ai ma caravane là-bas, avec quelques amis. Alors les dialogues, c'est dommage qu'ils soient sur le côté droit, j'aurais préféré en bas, parce que j'ai pas trop le temps de les lire, moi je focus au milieu. Oui, c'est les vieux, ils perdent la vue. Oh, je balance tous les secrets. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, ça va bien. On veut pas que tu passes là. Ok, je ne passerai pas là. Un petit splotch. Splotch. Si on m'invite à une fête, je vais pas dire non. You look awfully real for a nightmare. What was that? He's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise. Talking to yourself again. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Whoa, whoa, whoa! Easy now! Val, snap out of it! It's me, damn it! Hush it! Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know. Some bloody demon. What? No, look. I've no idea what's going on. I was having my ass kicked when something awakened from within to save me. I need help, all right. But I'm not some demon, goddammit. Come on, Val! Oh, really? Prove it. You're a tool. That does not seem like something a demon would say. All right, point taken. C'est bien agréable d'être entouré de super bonnes, en fait. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state, flinging magic and turning into a monstrosity. No, 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 no. They'll burn you alive. Hemlock wouldn't. Perhaps. But Maelys sure as hell will, and with a smile on her face. Oh, look, let's get out of here first, then we'll figure something out. En tout cas, laisse-moi te dire que t'as un fessier absolument magnifique. Hop là, je m'en vais. Donc oui, on a un zoom hein, sur le curseur, sur la molette de la souris, pour les gens qui veulent choisir leur angle d'approche. Et c'est très joli, hein, je persiste à dire. Il y a des clics qui sont pas très précis, hein, parce qu'on clique sur des trucs et le gars croit qu'on clique. En fait, c'est ça la raideur qui me dérange dans ce jeu, c'est... Souvent, le jeu croit qu'on clique une direction alors qu'on clique un ennemi qui a bougé et... Il a pas vraiment capté le truc. Donc souvent, on a l'impression qu'on va taper dans le vide ou on se déplace à la place de taper. Hop là. J'espère que les clics passent pas trop, j'ai pas fait gaffe à ça. Les clics de la souris passent pas trop dans le son du stream. Parce que c'est pas ce qu'on fait de plus glam, et c'est vrai que bah, dans ce genre de jeu, ça y va.
Et en plus, j'ai un bon clic. Oui, c'est de la bonne marchandise, quoi. Je ne dirai pas la marque. J'ai pas reçu le chèque. J'arrive. Je m'occupe de ça. Je te laisse le gros. Ah oui, non, les dialogues sur le côté, j'arrive pas bien à les voir, c'est terrible. C'est pas un machin qui va me merder là, oh. Non mais j'aurais... Chérie, sors de là, parce que tu... Je te le laisse. Hein? Allez, on y va. On a assez fait mumuse. Oui, je splotcherai toutes ces pustules. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. En plus, elle donne des trucs. Donc je vais pas me retenir. This place reeks of change, got change, change. These people are getting torn apart. I don't get it. Svea aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first, now this. There's something wrong around here. Something very wrong. We shouldn't be too far from the city-state of Stormfall. That should at least be a safe place. Alors c'est rigolo ce rendu parce que c'est à cheval entre du Diablo et du... comment il s'appelait le jeu de Microsoft là? Merde, j'ai complètement bouffé le nom. Je ramasse tout le monde. Je suis là juste pour me ramasser. Hop là, pour Bibi. Mais ouais, il y avait un autre jeu qui signifiait d'ailleurs le passage à la 3D des Hack and Slash de Microsoft, très connu. Désolé d'avoir bouffé le nom. Et qui... Le rendu, bah, c'est à cheval entre les deux, justement. Bien que Diablo, entre-temps, soit passé à la 3D, mais... We must pull back. We're too exposed. C'est marrant. If we do, the civilians will get slaughtered. Better them than us. Salut les gars, ça biche? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, le village. Il y a du grabuge au village. Qu'est-ce que ça me raconte là? I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers, and I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation to see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate not being executed. Where do we meet? On the way here, I heard talk of an inn in Stormfall, the Laughing Seagull. I'll meet you there. Keep a low profile till then. Regardez, de nouveaux copains. Why don't you let people in? For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the Merchant Prince Damascus himself. Oh, so you want fighters? I will fight. Now stand aside. You are serious, my friend. Well, all right then. Go through to the farmlands on the other side of the city. Anyone else want to fight for Stormfall? No. That's what I thought. Allons jeter un œil à sa fiche de caractère. Ah, fiche de personnage, pardon. Alors, des attributs. Carrément bien. Ok. Et on va regarder l'autre. C'est donc le... Ouh mon dieu. On est dans Path of Exile d'un coup. Alors Path of Exile, c'est un hack and slash aussi qui est super bien d'ailleurs. Et qui dispose d'une carte d'amélioration. Ben, c'est pour ça que j'y ai pensé tout de suite. Où tous les points se relient comme ça. Et je pense que celle-là, elle sera jamais aussi grosse quoi. Parce que sur Pass, c'est vraiment énorme. Interface, d'accord. Donc le principe de ces trucs-là,
C'est que souvent vous allez voir des skills qui vont vous plaire, mais qui seront totalement hors de portée. Et votre objectif, ben, ce sera de réunir et déverrouiller toutes les compétences utiles à atteindre votre but ultime, qui généralement vaut le coup, quoi. Alors, j'en ai un côté, ça va jusque là-bas. Une fois que j'ai fini ça, je peux sortir et aller là-bas. Est-ce qu'il y a un zoom? Oh putain. Ok, j'ai rien dit. Bah, on voit l'influence, on voit l'influence. On va pas développer parce que je vais y passer des heures et sinon il faudrait que j'invoque le dieu du saint montage. Mais apparemment il y a vraiment de quoi s'amuser là. Il me reste un point donc je peux déverrouiller une compétence. Voilà qui est confirmé, voilà qui est fait. Je vais taper plus fort, plus gras, plus sauvage. Stormfall. Jewel of the sea. Let's see what you've got for me. Alors, ce qu'on va faire, je vais pas aller beaucoup plus loin pour cette découverte du jeu. Get to Mahabi's shop. He will have you geared up, courtesy of Stormfall. Je vais vous épargner toutes les découvertes qui sont pas super utiles parce que c'est que du standard, hein, c'est-à-dire les marchands, les trucs comme ça, les quêtes. Ça va être relativement rapide. Et on va se retrouver dans un autre stream où on verra plus la partie qu'est-ce qui se passe quand vous êtes réellement lâché dans un donjon ou une exploration ou une quête. Ce sera beaucoup plus intéressant et puis entre temps, moi j'aurai eu le temps d'explorer tous les menus et toutes les petites options qui sont dans le jeu pour pouvoir vous en dévoiler plus. Et donc on se retrouve dans un prochain stream, playlist, bouton d'abonnement et on va aller voir vraiment ce qu'il a dans le ventre, ce Wolsen. Ciao.